and make try to learn to operate. So the steel mill will occur for approximately 1 hour. When the mill's ready, each model can take it up, bring it into the moulding room, and slice it from the tool which is on the poster there. So we're going to make pieces of thermal mill, which are easier to take for the moulding. And it's also going to allow liquid to start draining at the bottom of the tubs. It's the way of the WHEY. I'll talk about that again. Once we've sliced and curled the mill, we can start moulding over there on the moulding room. Vous allez pouvoir vous approcher de la table de moulage qui est par ici. Et on va parler plus en détail du moulage. Alors ça c'est du foulet, ça peut faire son nom. On a bien sûr une bouche. Beaucoup plus résistant aux déformations. Et également plus facile à nettoyer. Je vais d'abord vous montrer le geste du mouleur, très important. On va prendre une louche de caillé dans nos bassines, on va mettre la louche à l'intérieur du moule et retourner la louche à l'intérieur du moule. C'est important de faire comme ça parce que le lait caillé est assez fragile. On ne veut pas le casser, on ne veut pas l'effriter en morceaux. On veut tout garder en une seule partie et tout mettre au fond de nos moules. On ne va pas mouler comme ça, on va même mettre à l'intérieur en retour. Ce lait caillé est assez fragile à cause du petit lait, qu'on appelle aussi lactosérum. Alors pour les enfants qui peuvent faire passer aux autres et aux adultes aussi. The important part here is to put the ladle inside as you turn it over. To put all the milk at the bottom of the mold. Yeah, you can give it a try, that's what you can see. Like this. So it's important to do it this way, so we won't spill milk on the side of the mold. Ça fait du coup. C'est pas comme sur un coup ou juste pas bien. Non, c'est pas, ouais, c'est pas effrité non plus, ça reste un petit morceau que je dis, ça reste un assez gros pour que ça se colle. So we're going to keep the thick milk because the milk has a bottom of the mold, which will create the camembert. And the water which was in the milk, so the whey, is going to drain through the holes, across our mats, and down the table. We're going to collect it here, so in the middle of both the tables, and it's used to feed animals at the farm. So we dehydrate it into a powder, and this powder is used to feed animals. Moule à camembert, ce qui fait 5000 coups de louche en moyenne par personne. On a environ 15 mouleurs, ici plus ou moins, ce qui permet de mouler en moyenne 15000 camemberts par jour. C'est assez important pour une production traditionnelle, c'est-à-dire essentiellement à la main. Donc environ 30000 litres de lait. Comment? Ouais, un peu plus, même plus 35000 litres de lait. C'est la moitié en fait du lait qui arrive ici, une bonne moitié utilisée pour le camembert. Et le reste? Beurre de baratte, crème fraîche, fromage. Oui, mais la crème et le beurre, ça fait que ça coûte 25 grammes.